Bonsoir! Ce matin, j'ai mis de l'essence dans ma voiture qui est un diesel, du coup ma voiture elle est bloquée au garage là. McFly le con. McFly le con. Les amis, vous avez beaucoup aimé les Marseillais, l'épisode 1, l'épisode 2, où Alix est venue avec nous. D'ailleurs, je crois qu'elle est encore dans l'épisode qu'on va venir. Mais bref, quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez pour un troisième épisode, c'était les princes et les princesses de l'amour, genre à 90%. Évidemment, vous ne connaissez pas, vous avez compris notre rapport à la télé-réalité qui est assez lointain. Puisque c'est l'opposé de nos goûts, ceci dit, il se passe un truc dans ces programmes qui est inexplicable, qui ont donné naissance à ce format qui est on regarde l'épisode le plus vu de telle ou telle chose. Aujourd'hui, les princes et les princesses de l'amour, le nom! C'est les princes et les princesses de l'amour! Ah, on a l'épisode qui est là, et du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va y réagir. Ah, bah c'est un react! C'est un react! C'est pas, on va pas! Mais oui. Par contre, les princes et les princesses de l'amour. Ça se tient. Voilà, voilà, voilà. Bravo! Faut que tu saches que j'aime vraiment porter des robes. Je comprends. 3, 4! Oh! C'est passé! Ça passe toujours avec Carlos! Sous-entendu, la pénétration. Ah, ok, d'accord. C'est parce que je suis. Je ferais pas beaucoup mieux que un ça. Petit hein. Sexe très fin. Donc. Il y avait un placement Rhino Shield, j'ai oublié. Tout de suite le placement Rhino Shield. Faire comme ça. Il y a que les petites bouches qui bougent. Bouches qui bougent. Oui. C'est un peu anxiogène et un peu rigolo. C'est parti pour le placement de produits. On va vous présenter aujourd'hui deux produits. De chez Rhino Shield, bien entendu. La Clear Case, vous connaissez, coque 100% transparente, anti-jaunissement et toujours aussi résistante. Vous pouvez jeter par terre vos téléphones. Et également la Solid Suit. La Solid Suit, une coque complète classique, c'est le produit mythique Rhino Shield qu'on ne présente plus. Les deux produits sont évidemment personnalisables avec différents designs issus de licences officielles. Et justement, il y a plein de nouvelles licences, notamment la licence Mohamed Ali. Ça fait rire, je veux pas dire, c'est pas une licence. Si, si. Bref, vous pouvez faire des coques, évidemment, Mohamed Ali, Marvel ou encore PSG. Vous pouvez aussi customiser les coques avec des photos personnelles. Je veux dire, c'est pas forcément Mohamed Ali ou Haribo. Je veux dire, si t'as une photo de toi que t'aimes bien ou que t'aimes pas, tu la mets. Ça peut être par exemple cette photo-là ou cette photo-là. Très mauvais choix, mais ça peut. La promotion est traditionnelle, vous connaissez le principe. Moins 10% pendant 48 heures à partir du moment où j'ai dit cette phrase. C'est sur tout le site, c'est disponible. Un dindon. Moins 10% avec le code avec plaisir. Le code promo, c'est... Avec plaisir. Vous mettez ce code, et même si vous avez du plaisir en le faisant, c'est avec plaisir que vous mettez avec plaisir. Attendez, j'avais un truc avant de commencer. C'est un rébus. C'est dans le sens des gens. Tu l'as? Dis-le à haute voix, tu l'as? Télé-ré-alité. C'est parti pour un react de qualité. L'épisode le plus vu des Princes et Marseillais, c'est maintenant, c'est tout de suite, let's go. Des Princes et Marseillais, c'est... Oh merde, merde, non, pardon. Des Princes et Marseillais, c'est... Attention, générique tout de suite, des Princes et Marseillais. Ça commence très très fort. Nous retrouvons Marvin qui a rendez-vous à l'agence pour son premier coaching, afin d'y voir un peu plus clair sur certains de ses comportements. J'arrive à l'agence, des fois je sais pas quelle démarche adopter avec mes prétendantes. Il faut qu'on lise le concept, mec. Durant plusieurs semaines, trois princes accompagnés de trois princesses, venues elles aussi chercher l'amour, vont vivre dans une villa où ils rencontreront différentes prétendantes et prétendants qui ont eu un coup de cœur en voyant leur portrait. Ah voilà! Donc là, lui, il a des prétendantes déjà. C'est déjà terrible. Et là, il va voir des gens pour l'aider sur son comportement. Quel est son comportement habituel? Je n'en sais rien. Ça me fait très peur du coup d'imaginer. Allez, allons voir. On a décidé de faire venir Marvin. On a envie de savoir qui est Marvin. Bah Marvin, si vous connaissez bien les Looney Tunes, c'est lui. Le nom de l'agence, c'est l'amour sur mesure. Je dirais déjà que le nom de l'agence, c'est l'agence, dans un premier temps, c'est à regarder. J'ai l'air avenant avec les gens, je suis cool, j'adore rigoler, tout ça. Attention ça. Non, mais attention, Marvin. Donc là, on a Marvin qui aime rigoler. Et ça, ça le différencie du reste de l'humanité, parce que les autres gens, en général, moi, j'ai pas peur de dire les trucs. J'aime bien boire de l'eau. De temps en temps, ça me dérange pas de boire un petit verre d'eau. Vous me proposez un bon moment? Oui. J'en suis. Il n'y a pas de souci. Après, moi, j'ai aussi des défauts. C'est-à-dire que je suis susceptible. Je suis des fois un petit peu impulsif, je peux être parfois jaloux quand je suis en couple. Marvin, c'est toi pour l'instant? Pour l'instant, Marvin, c'est WAM. Pourquoi ça s'est terminé avec ton ex-copine? Ouais, parce que j'étais jeune, tu sais, j'avais 19 ans et elle en avait 25. Il est comme moi, il aime les femmes mieux. Oui, tout à fait, vraiment c'est toi. Moi, je veux savoir s'il y a d'autres déceptions, des trahisons. J'ai pas eu une enfance très facile. Voilà, dans quel sens? Ma mère, elle m'a élevé seule avec mon frère, donc ça, c'est déjà... Alors, on rigole pas pour Marvin, hein, pardon. C'est précisément l'histoire de Carlito pour l'instant, c'est incroyable ce qui se passe. Est-ce que ton père, il est pas là? Enfin, il est pas là. Il a jamais été là? Si, jusqu'à mes 7 ans.
on est pareil, on a les mêmes cheveux en plus. C'est vous. Elle est partie, pas de nouvelles. Et même aujourd'hui, t'as plus de nouvelles? Bah non. Ah, la différence est là. J'ai les petites news. Depuis tes 7 ans. Ouais. La meuf qu'on rajoute. Depuis tes 7 ans. Jamais plus. Dis-nous comment tu souffres. J'aurais pas envie de pleurer. Au même moment, à la villa, les prétendants ne le savent pas encore, mais c'est déjà l'heure d'une cérémonie. Prince et princesse. Vos c'est Alix. Mais oui. Ok, Alix est là. Attends. Vos nouveaux prétendants arrivent. Préparez-vous. Félicia, elle est vraiment très stressée. Pas de commentaire sur son prénom? Non. Ah non, parce qu'on juge pas un prénom. On juge pas un prénom, mais c'est pour moi une sorte de vin. Eh, hey, tu fais attention. Je fais attention à quoi? La nouvelle prétendante va arriver. Genre, tu mets des coups de pression avant qu'elle soit là? Oui. Des fois, je mets des coups de pression? Bah, parce que je suis là. Oui, non, t'inquiète, on le voit que t'es là. Alors là... Elle est pas en conf, hein. Et lui, il n'est pas du tout saoulé par elle, hein. Le premier truc qu'il lui dit, c'est... Pourquoi tu mets une pression? Et en même temps, Félicia demande un truc très particulier. Elle demande à Mujda de ne pas se laisser séduire alors que c'est le concept de l'émission. C'est le concept Mujda. Je crois que le message est bien passé. Enfin, connaissant Boubouge, peut-être pas. Connaissant Boubouge pour Mujda? Mujda serait Boubouge. Ça marche. C'est sa transformation. Il faut donner à Super Saiyan. Retour à l'agence pour le coaching de Marie. Car depuis le début, on ne peut pas dire l'agence. Si on t'emmène des prétendants, tu vas faire quoi? Bah, je vais apprendre à les connaître. D'accord. Essayez de lesquels? Ça nous a vraiment fait du bien de t'entendre. Ouais. Et je pense qu'il va se passer encore de belles choses dans la maison. Certaines pièces en particulier. Oui. Oui. Et je vous vois venir. Je vous vois venir, allez-y. Allez-y. Allez-y, non, mais... Allez-y, attendez. Vous avez fini? On est bon? C'est bon. Affirmatif. Je suis avec les équipes de Londres. C'est bon, on est synchro. Voilà ce qui va se passer dans la maison dans 3, 2, 1. Non mais. Franchement! Il a sorti toutes ses prétendantes. C'est pour ça qu'il a eu le rendez-vous. Oui. Normalement, tu t'en gardes au moins une, quoi. Lui, ça correspond très bien à notre théorie. Ouais. Il a Ken, il enchaîne. C'est un bonheur pour lui. J'ai eu tant de bien, mais ça n'a pas marché. Non, mince, pas d'affinité. Avec les trois. Tu vois? Oh, un revenant. I'm back, guys. On a reçu un message de l'agence. Ouais. Il y a des nouvelles prétendantes qui arrivent. Nouvelle cérémonie d'arrivée. Ouais, vraiment, c'est horrible, il y a trois gars comme ça. Il y a des nouvelles meufs. Eh hey, mec, il y a des nouvelles meufs qui arrivent. Donc là, c'était les trois princes, hein, les gars, en jogging. C'est eux les princes? Ça, c'est les trois princes. Mujda, Marvin. Et l'autre, on l'a pas. J'espère vraiment que la nouvelle prétendante de Marvin, il va être un peu plus souple. Qu'il va Articule! Articule, Simon! Simon, Marvin, on a les princes, on découvre en même temps, hein, bah oui, vous le savez. Mujda, Marvin et Simon, Mujda, Marvin et Simon, Mujda, Marvin et Simon. Articule, Simon! Il va expliquer les choses bien et pas directement zouker avec elle directement. Ah, il a zooké, il a. Faut faire gaffe parce que. Moi, de toute façon, je zook pas le premier soir. C'est vraiment un principe que je me suis mis. J'espère qu'ils vont vraiment envoyer un troisième prétendant. Là, à 3, sachant que c'est déjà Mathieu qui prend de la place. Alix a déjà deux prétendants, elle veut pas en avoir un troisième. Mais c'est le principe de l'émission, je le rappelle. J'ai trop hâte d'avoir mon nouveau prétendant, de voir la tête qu'il aura, le caractère qu'il aura, s'il saura enfin m'apporter un petit peu de paillettes dans ma vie. T'as bien vu, elle a piqué cette phrase à quelqu'un. Des paillettes dans la vie, c'est une phrase culte. Attention, moi, je serai là, je suis là. L'avocat de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est bon. Je vais aller Ibiza. Une cérémonie exceptionnelle. Là, c'est un grand moment. Là, ça y est, l'excitation. J'en peux plus de cette merde. Les princes et les... Je suis Mujda. Oh, tout de suite, on remplace Mujda par la tête de Carlito. C'est parti. Là, grand moment, l'excitation monte. Il y a donc les princes et les princesses qui sont là. Les prétendants qui ont été gardés depuis le début de l'aventure par les princes et les princesses et des nouveaux qui arrivent. Mais ça va chambouler tout ce qui se passe. Qui défile là? Ça c'est les prétendants qui ont été gardés. Les prétendants sont assis. Et là il y a les princes et les princesses qui débarquent. Allez. Donc là c'est les patrons, hein. Je vois arriver un petit bout de femme tout en paillettes. C'est parfait pour la soirée disco d'hier. La tenue. Grave. Je vois un petit bout de femme arriver. Elle a l'air toute. Qu'est-ce que vous avez avec les petits bouts de femme? Ce serait terrible de découvrir des petits bouts de femme. Regardez, vous voulez que je vous montre ce que c'est vraiment un petit bout de femme? Ouais, c'est horrible. Ah, Sally, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Devant la personne, c'est horrible. Alors, tiens, bouge pas. Qu'est-ce que tu penses de ça là? Petit bout de femme, on est bon ou on est comment? Oh là, c'est terrible ça. Salut tout le monde, je m'appelle Géraldine. J'ai peut-être pas des grosses fesses, mais j'ai un gros QI. Ah, ça m'a... Je me suis fait avoir premier degré. Oh, ça va bien. J'ai peut-être pas des grosses fesses, mais j'ai un gros cul. Moi,
proche d'un 100 pour Simon. C'est pour Simon. Simon, il a les yeux qui brillent. Mon prince est... J'espère qu'elle est pour moi parce qu'elle est vraiment, au premier abord, vraiment super. Mujda. Non ! Mais pourquoi Mujda en merde ? Mujda avec son col en chichi là ! Non ! Oh putain, je... Non ! Eh, quand j'étais au foot, on prend Mujda ! C'est l'élection présidentielle, Mujda ! Le premier youtubeur de France ! Mujda ! Mais tout le monde ! C'est quand même lui qui donne le sein à mes enfants ! Quoi ? Regarde Isabeau, Isabeau, elle a bien dit Mujda. Attendez, attendez, quel est le prénom que j'ai entendu ? Isabeau. Oui, si, si, si. Tu veux dire Isabelle ? Non, c'est Isabeau. Donc ils ont juste mis au masculin la deuxième partie du prénom. Attends, mais il faudrait faire ça avec d'autres prénoms. Rafa, lui. Oh oui. Donc tu te rappelles de elle au début là ? Elle voulait oui, pas, oui, elle voulait pas perdre Mujmuj. D'accord. Elle voulait pas perdre Mujmuj. Bah écoute, j'aurais bien aimé qu'elle vienne pour moi parce que c'est vrai qu'elle parle bien, elle est vraiment bien. Donc bravo mon gars. Bravo Mujda parce que sur le coup il a bien bossé quoi. Mec, je suis à fond. Pardon, pardon. Moi je pensais que c'était pour Simon. En fait, Simon il a vraiment kiffé. Mais elle est là ? Oui. Ça c'est dur. On dirait qu'il parle de chaussures. Non mais c'est quoi ? Ouais, je les voyais pour Simon celle-là. C'est pour Simon, je les vois bien. Si, si, c'est bien pour Simon. Ça va, vous battez pas les gars. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. C'est terrible, ça y est, c'est trop dur. Car il me semble voir quelqu'un arriver, non ? Ah ! Il y a quelqu'un qui. Faire ses lacets potentiellement. Ça c'est pour Chloé. Donc j'en suis sûre en fait, il est pour moi. Ah. Non, Joe, peut-être c'est pour toi aussi. À mon je sais avis. Pas, je vois toujours pas les gars, je peux pas juger moi. Ah, t'es lunettes. Oh mais tu le vois, mais écoute. Je porte pas. J'essaie de faire un peu la mise au point comme ça avec mes yeux. Je vois pas grand chose pour être honnête. Même il a l'air beau garçon. Elle est géniale, Julia. Attention à Julia. Julia, 1 sur 10 à chaque œil, ce qui est très bien. Mais ce qui est compliqué, il faut la mettre plus près. Mehdi, 28 ans. Je viens de Normandie. Je ne le vois pas vraiment, mais il a l'air ultra à l'aise. Il a c'est hilarant ça. Tout de suite, ce que Julia voit. Dans la vie, je suis dans la production automobile. Donc, petit conseil à mon concurrent. Attache ta ceinture. Je crois que c'est ça la blague, vraiment. C'est sa petite touche d'humour à lui. Oh, ça doit être dur à refaire. Cette expression sur ton visage. Cette expression sur ton visage. J'observe Chris et je vois qu'il est un petit peu paniqué. Il doit se demander est-ce que c'est mon concurrent ou pas. Non, regardez son visage, il se dit pas du tout ça. On va vous dire nous ce qu'il se dit vraiment. Déjà c'est Yvick, encore. C'est encore Yvick. Voilà ce qu'il se dit vraiment. Je me demande qu'est-ce que ça aurait pu être le nom français de Pikachu. La princesse pour qui je viens est naturelle, simple, sportive et remplie de charme. Il vient pour moi, j'avoue ça me déplairait pas. Allez, pour Julia, ça risque de pas être Julia. Si, si, c'est Julia! Voilà ce qu'on veut! Bonjour à tous, je m'appelle Estelle, j'ai 20 ans, j'habite entre Nice et Bucarest. Dans la vie, je suis joueuse et... Alors attends, je vais vérifier ça tout de suite, entre Nice et Bucarest. Tu habites donc à Skivisvérar, en Hongrie. Mais sinon, dis directement le nom de la ville où tu habites. Au lieu de dire que j'habite à Paris, maintenant je vais dire que j'habite entre Glasgow et Saint-Etienne. Voilà, je suis à peu près entre Glasgow et Saint-Etienne. Vous voulez dire Paris? Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Là, je vois un grand mec arriver avec du flow et je vois que Chloé est vraiment, vraiment pas bien. Y'a un background? C'est une blague. Non, mais non. Eh ouais, c'est lui. Oui, mais oui. On a des antécédents, de l'inachevé. C'est pour ça qu'on est là. Et la personne que je suis venu voir ici est Chloé. Ouais. Bon, elle est pas contente. Elle est pas du tout contente. Il a un petit passif, des petits antécédents, comme il dit, donc... L'antécédent? Alors, attendez, je vais vérifier avec la synchro. C'est bon, attendez, je vérifie. Je okay, remplace. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Les antécédents, en quelques gestes. Voilà, d'accord. Je sais pas trop si je suis contente ou pas. Non, si alors. C'est les problèmes. Alors, je vais te dire, Chloé, tu n'es pas contente même. Hein. Non, non. Je te présente Chris, ton concurrent. Bien. Chris, ah c'est bien beau, j'ai des vrais concurrents. Au final, je me retrouve avec Mister V en face. Oh bâtard ! D'une part, il a la
même vanne que nous. Et d'autre part, comment tu parles? Comment tu parles du mystère? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il est beau gosse. Il est mort, ok. Du coup, juste, tu peux nous mettre un peu au parfum? Vous avez des antécédents, attention. On a discuté sur les réseaux. Ah, on a tout quitté. Rien de méchant. Rien de... Ah, je retire ce que j'ai dit. J'en ai marre de ça, David. Non, là, je comprends. Est-ce que tu comprends? Je comprends vraiment. Mais bon. Tu viens pour Sephora, pour moi. Il était venu la saison dernière pour Sephora. Peut-être qu'il était juste venu pour se mettre au parfum. Bravo, mais c'est super ce que tu fais. Travail depuis des années. Pour moi aujourd'hui, la page elle tourne avec Sephora et celle que je veux séduire dans cette aventure, c'est Chloé. On est là pour tourner une nouvelle page, ou même pas, pour changer de livre et ouvrir une nouvelle page. C'est quoi ça? Putain, on peut embrouiller toi. Donc on est là pour tourner une nouvelle page. Bon. Bon, et ensuite tourner une autre page, mais dans un autre livre. Une belle bande arrive au loin. Bien en forme. Je vais aller pour... Ah, regarde comme il est à l'aise avec son body. Ce que j'adore chez Marvin, c'est que tout est écrit sur son visage. Le type, il a juste à nous sourire. On comprend ce qu'il a derrière la tête. C'est ce qu'il a derrière la tête, peut-être. Bon. C'est bon, j'ai BFM. BFM est en ligne. On est bon les gars? Attends, j'ai les hélicos qui se placent. Allez, c'est un vrai charo. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, très rapidement, ce que Marvin a dans la tête? On y va. Non, il faut pas se faire... Voilà. Hi guys, je m'appelle Lorraine, vous pouvez m'appeler Loki, tout le monde m'appelle comme ça. J'ai 27 ans, je suis influenceuse entre Bordeaux et Sydney. Allez. Alors... Attends, d'après mon analyse, ça va être en Égypte, tu vas voir. Okay. Non, ça va être dans l'eau. Ah, tu vois? C'est en Inde. C'est peut-être même la Sri Lanka, voilà. L'influenceuse au Sri Lanka. Voilà, si je devais dire un truc à des prétendantes, c'est sûr que si vous pensez qu'il n'y avait pas de concu, jusqu'à présent, maintenant il y en a. Et ce, même si vous êtes très belle, maintenant il y a de la concurrence. Voilà, la beauté ça fait pas tout. Oh, Alix, voilà Alix, c'est qui? Je suis venue pour toi, Marvin. Il a déjà oublié tout ce qu'on lui a dit à l'agence, il voit que le zouk. Quand il voit cette fille, je le sais, il pense que au zouk, il va faire ce soir. C'est moi, je l'aime bien. Articule Simon. Tout ça s'est passé il y a plusieurs mois. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Parce que ce jour-là, c'était tout simplement le plus beau jour de ma vie. Le jour où j'allais enfin demander la main d'Ilona. C'est pas beau. Même si je dois avouer qu'au début... Ah, vous voulez peut-être la voir? Vas-y, vas-y. Ouais. Elle avait dit, si un jour on se marie, je veux une grosse. Vague. Je suis super émue, je suis trop fière parce que bah, leur histoire d'amour a commencé dans cette aventure l'année dernière. Donc, voilà. Pour moi, voilà. C'est un couple. Je ils sont nés l'année dernière, ils sont super jeunes pour se marier. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Non, c'est jeune, moi je laisse pas faire si j'étais les parents. Et là, quand elle est arrivée, c'était irréel. J'ai peur. Ah oui, elle est d'accord, elle est camouflée. Ah, ok, ah, ok, elle arrive, c'est pas là. Tu m'épouses. Oui. Il veut s'épouser. Arrête, allez, c'est bien. Ah, c'est si, c'est bien, c'est bien, bravo. C'est confus, c'est le grand mariage. Le comble du romantisme. Pardon, je suis désolé. On est méchant, on est un peu méchant là. Mais c'est vrai que. Elle l'engueule direct. Chacun réagit à sa façon. Et ça scelle vraiment un truc très fort parce qu'on s'est rencontrés dans cette aventure. On fait nos fiançailles dans cette aventure un an plus tard. Vous regardez s'ils sont toujours mariés. Attends. Mets sur pause. Arrête. Oh non, on peut pas rire de ça. C'est parce qu'on... Les censeurs émotionnels. C'est parce qu'on a du pif. En fait, je sais pas comment vous dire. Il y a un truc où... Mince, c'est pas foufou. Je suis désolé, on en a fait des demandes en mariage. Il y a un truc... On a assisté à des mariages, il y avait... Vous connaissez, j'essayais de regarder du recul, mais... Quoi, il y a un truc qui me... Donc ça, c'était l'année dernière. Voilà, ça a un an ou un peu plus, mais bon, un an, quoi, on va dire. Julien, définitivement séparé d'Ilona. Donc là, au moment où on se parle, je ne saurais pas vous donner l'info. En tout cas, après ça, ciao. Ils ont rompu. Allez. Il y a des gens qui sont faits pour être ensemble et Julien et Ilona ont été rassemblés par elle. Bah oui, regarde, c'est une experte en relations amoureuses, t'as vu. Ilona, j'espère que tu regardes ces images
parce qu'à la fin de l'émission, j'aurai un message pour toi. Oh, il y a un teasing. Je vais adorer. Ça fait du bien de voir des nouvelles têtes. Nouvelle prétendante, du coup, je suis content. Et toi, Chloé? À moi, grosse surprise. Hein. Moi, je la connais, c'est mon pote. Ouais. Mais c'est que vous avez eu un antécédent? Oui, voilà, en fait, le mot antécédent m'a un peu saoulé. Parce que ça veut tout dire et rien dire, en fait. Si, antécédent, si. Ça veut dire... fait antérieur à une maladie concernant la santé du sujet examiné de sa famille. Non, pas du tout, pas du tout. Mot représenté par le pronom qui le reprend. Bon, effectivement, t'as raison. T'as raison, Chloé. Elle a raison. C'est pas, t'as raison, putain. Tu dirais rien. C'est pas si clair, antécédent. Parce qu'en fait, on s'est juste envoyé quelques DM sur les réseaux sociaux. Je me dis que c'est bizarre. Est-ce qu'il veut juste passer à la télé ou il vient réellement pour moi? Je sais pas pourquoi c'est... c'est juste... Ah, oh, j'ai un message. Attendez. On aurait dit que c'était surjoué. Ce soir, on monte la température. Soyez sauvages pour la soirée Tarzan et Jane. Soirée Tarzan et Jane, on va s'éclater. Sortir, c'est drr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 
Oh, je veux bien faire du react avec vous. Est-ce que là, il y a un truc autour de gens qui mangent des pâtes? Oui. C'est oui. Là C'est là, c'est maintenant. Oh. C'est maintenant l'épisode le plus vu. Ils mangent des pâtes. C'est vraiment super mignon. Waouh. C'est que ce plat. Attendez, on comprend pas. Ça a l'air infâme. C'est énorme, surtout. Je suis le seul avec qui il y a eu ce petit feeling, avec qui il se passe quelque chose, qui arrive à la comprendre, qui la brusque pas. On s'est jamais disputé. Donc jusqu'ici, franchement, c'est parfait. Mathieu, tu es précisément, excuse-moi, en train de faire ce que exactement il faut faire pour être dans la friend zone. C'est oui, oui, la friend zone de ouf. Tu es en train de pas à pas être cet ami génial, irremplaçable, important dans son cœur. Sera jamais son mec. J'ai du mal à poser des mots sur notre relation et surtout, je sais pas si Mathieu il a pas oublié qu'il était aussi là dans un but de séduction. Ah, parce voilà. Qu'il fait très attention à moi, mais il me séduit pas. En tout cas, Ken, lui, il a tout vu. Et toutes les excuses sont bonnes pour tenter de rester dans le charbon. Oh, le charbon, il va amener. Merci beaucoup. J'ai entendu que j'avais un petit peu froid. T'assois un sweat un petit peu mouillé. Oui, un sweat un peu mouillé, mais... Bon, merde, là. Qu'est-ce que c'est? Qui lui apporte un sweat mouillé. Oh. Déjà, laisse-le. Tout le monde s'envoie, tout le monde veut Ken. Personne veut. C'est clair, laisse-lui son moment, hein, Mathieu, là. Il est en train de se faire friendzone. Il joue pour toi, en plus, Mathieu, là. Ouais, en plus, là, il est ouais, en train de se mettre hors jeu tout seul. Débarque pas avec ton petit pull mouillé, hein, putain. En tout cas, juste pour te dire que tu es une fille ultra attachante. Je suis attachante, dis-moi, Oui, attachante, mais tu as ton caractère et ça... Je sais pas, j'aime bien les filles comme toi. Il est pas... Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Pas envie. Ça, tout ça, tu sais, il est pas motivé. Ah oh ouais, c'est gênant là. C'est gênant de ouf ce moment. Oh là là. Regarde, on va se poser dans la love room. Discuter un petit peu. La love room? Il y a une love room. Oh là 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 là. J'aimerais bien juste savoir qu'est-ce qui se passe dans la love room en quelques gestes. Bon. Non, mais t'es pas obligé de. Non, là, simplement juste. Voilà, voilà, non, mais attends. S'il est parti dans une chambre avec elle, bah là, en fait, ça va m'achever quoi, clairement. Je vais juste passer une nuit horrible parce que je vais me passer en boucle les images de Lorraine et Marvin dans un lit. Je me pose juste des questions sur, bah, est-ce qu'on a quelque chose à faire ensemble, clairement. C'est vrai, Isabeau, c'est très très vrai ce que tu dis, Isabeau, tu n'as pas à subir ça, merde. En même temps... Et en même temps, tu vis dans cette émission. Oui, en même temps, elle a pas grillé que Marvin est un charreau, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'il a bien le droit d'être un charreau, Marvin, c'est bien ça, il fait bien ce qu'il veut aussi. Bien sûr. Surtout avec d'autres gens qui sont charreaux également en retour. Beau soleil. Oh là, la vache! What the fuck! Marvin, il s'est rien on passé à l'agence. On avait tellement raison d'être des trucs. Mais ouf! Mais il s'est rien passé à l'agence. T'as complètement oublié ce que t'as dit Magali alors qu'elle est experte en spécialiste. Oh waouh, ils ont Ken de non, ouf. Non, ils ont Ken du coup. Bah non, ils ont fait dodo ensemble tranquille. Bonne nuit Lorraine. Non mais frère. Cette nuit, du coup, c'était ma première nuit dans l'aventure. On a pu approfondir les choses. Alors ce matin, je suis de bonne humeur, ça s'est très bien passé, on a pu faire connaissance, on a pu discuter et c'est rien passé de plus. Ouf. Et j'ai l'impression qu'elle lâche les bras trop facilement en fait. De ouf. Non mais dès qu'il y a une nouvelle qui arrive, elle s'efface, tu vois. Marie, ça a fait ça. Non, tu l'as ignorée. Elle est venue lui parler. Elle s'efface pas du tout, elle a gueulé. Mais non, ça va. Elle a gueulé devant tout le monde. Elle a gueulé, elle est allée lui parler, il s'en allait en faisant... Mais c'était un mytho. On est en fond dedans, on est à fond. On est à travers. C'est n'importe quoi. Tu te rappelles qu'au mariage, le mec Julien, là, il a dit « Bouge pas, reste, regarde, j'ai un message pour toi à la fin. » Je veux vieillir dans tes bras. Je vais te le dire de la plus simple des façons. Je t'aimais, je t'aime et je sais que je t'aimerai toute ma vie. Ça me touche un poil. Ah oui, non, c'est vrai. Si au fond de toi, il y a encore de l'amour, il y a encore un peu d'espoir, mais simplement une photo de nous sur tes réseaux sociaux, ça sera ta façon à toi de me répondre et de me faire comprendre qu'il y a peut-être encore un petit peu d'espoir et que tout n'est pas terminé. J'aimerais que tu saches une dernière chose. Je t'aime et je sais que c'est toi. Ah oui, d'accord. Ils ont rompu et il essaye de la reconquérir en fait... à travers le programme. Bon, alors... Julien, t'es vraiment mimi, hein. Ouh là là. Oh là là, tu nous as terminé dans une soupe de malaise. On a eu Marvin le charreau, on a eu Julien, voilà, on a eu Mathieu. Il y a toujours un Mister V dans les télé-réalités. Il y a un mec qui fait livrer des pâtes et qui croit que c'est le summum. J'ai adoré regarder ça, découvrir ça, vraiment. On espère que ça vous a plu, ça m'a scotché cette fois. Peu cher, ils sont plus là sur les réseaux, j'ai vu, il n'y a plus rien. Bon, c'était encore un nouveau monde, on explore un nouveau monde, c'est pas vraiment nous.
Et on sait, on essaye d'être bienveillant en même temps parce que c'est difficile de les juger, mais il y a une partie quand même absurde dans tout ça. C'était donc l'épisode le plus vu des Princes et Princesses de l'Amour. On a réacte ça pour vous, n'hésitez pas à nous dire sur quel format vous voulez qu'on réagisse les prochaines fois. Et souscrivez à un abonnement. Ils m'ont tué là.